Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour vous parler de ces journées que nous allons lancer à partir de lundi sur les céramiques chinoises. Et je tenais à vous en parler parce que, de nouveau, il y a une histoire autour de ces céramiques. Comme je l'ai dit souvent, je suis avant tout un collectionneur et je suis resté collectionneur dans l'esprit de développer la galerie et donc ensuite de partager du plaisir. J'avais eu l'occasion, il y a maintenant peut-être une quinzaine d'années ou une douzaine d'années, d'acheter de nombreuses céramiques chinoises. Et il y en avait d'ailleurs certaines que je ne connaissais pas. Je savais qu'elles étaient authentiques, je savais à peu près leur datation, mais j'en savais pas plus. Et pour moi, le grand plaisir d'être collectionneur ou d'être antiquaire, c'est justement de rechercher, d'apprendre et de pouvoir ensuite parler des pièces que l'on a. C'est la raison pour laquelle je suis heureux de vous recevoir dans ma bibliothèque où justement j'ai nombre d'ouvrages que j'utilise pour ce travail de documentation et de recherche. Nous avons pris le parti pris depuis un an maintenant que nous traversons ces périodes de confinement, de continuer à travailler. Et donc j'en ai profité pour un peu exhumer, je dirais, ces céramiques. Pas mal d'entre elles étaient dans des caisses. On en avait déjà montré quelques-unes, mais de manière très très limitée. Tandis que là, on a profité de cette période-là, justement, pour ouvrir ces caisses, sortir ces céramiques, et puis vous les présenter. C'est ce que l'on va faire tous les jours, commençant la semaine prochaine, et vous en parler, la manière dont on les voit, parler de leur histoire, parler de ces pièces d'archéologie, et puis surtout, parce que c'est la manière dont je vois notre métier, partager ce plaisir et notre émotion. Donc, rendez-vous dès le début de la semaine prochaine avec nos premières céramiques, et on s'est vraiment efforcé à vous proposer des prix très doux. À très bientôt, à très vite.